Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur et rétablant. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si t'es content, lâche-moi un pouce bleu, partage. Se concentrer sur la musique. On ne sera pas focus sur la musique dans ce direct. On va parler un peu d'actualité. On sait que on a cette, moi je dirais, pandémie qui est au cœur de l'actualité. Mesdames et messieurs, c'est un problème à prendre très, 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 très au sérieux. Il ne faut pas rigoler. Là, là, sur ma table, il y a tout. Bon. Je fais des provisions, quelques-unes. Je n'ai pas dévalisé les supermarchés, j'ai juste pris le minimum. Voilà, donc aidons l'État à nous aider à éradiquer ce fléau de nos différents pays. Il faut aider l'État en respectant les mesures de sécurité. Voilà. Toujours être propre, se désinfecter. On ne va pas répéter les mêmes choses. Vous êtes de grands garçons maintenant, adultes. Vous savez ce qu'il faut faire. C'est juste qu'il ne faut pas être négligent. Voilà. Il ne faut pas être négligent. Heureusement, Dieu m'a fait grâce. Mon travail est à deux pas de chez moi. Il ne paye pas de transport. Donc, je suis là-bas, il framponne, il joue en piste, tranquille. C'est là que ça s'arrête. On peut pas, on peut malheureusement pas faire de promo. Yo, big respect aussi à toi, Mr. Benjamin. On peut malheureusement pas faire de promo sur le terrain à cause du mouvement. Tout est daté, tout. Tout est mort, on peut pas sortir. Les dates sont annulées. Heureusement qu'on a pris des avances à nous permettre de nous soigner. Mais tout sera au ralenti. C'est bien dommage. Oh! Donc, les gars, quoi? Il n'y a plus mouvement. Ah là là. Ça va se savoir. C'est là que tu vas voir qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont s'ennuyer maintenant. Ils vont se mettre devant leur caméra. En train de rapporter du n'importe quoi. Du n'importe quoi, je vous dis pas. Alors, mesures de sécurité, se laver les mains autant de fois dans la journée. C'est très important. Dieu merci, moi, depuis un moment, il me lave beaucoup les mains maintenant. Jusqu'à me suis lavé les mains aussi de beaucoup de. D'histoire, hein, les gens. C'est important de se laver les mains. Maintenant, souvent, quand tu te laves les mains, il y a des gens qui pensent que ce n'est pas sérieux. Mais c'est dans 5 ans, dans 10 ans, on voit que c'est sérieux. Fou pas. Il y en a le système. Donc, afin de guérir, là, guérir, guérir, ce n'est pas du jeu. Ça fait mal, on ne peut pas prononcer le nom. Biaiston. Ah. Tout est bloqué, mais je suis prêt. Moi, je. Côté celui qui me fait un mobile money, il n'y a pas de problème, hein. Je peux sortir dans la ville même sans masque. Aller chercher mon gain. Où est le système? Donc, voilà, c'était pour rigoler un peu, mais en gros, ça ralentit beaucoup de mouvements. Faisons attention surtout aux enfants. C'est le moment d'être. C'est le moment d'être. Ah, Tata Mousli! Tu viens faire quoi ici, Tata Mousli? Repose-toi un peu. Tata Mousli, laisse-moi parler. Tu as vu, je t'écoute. Mesdames et messieurs, moi, je fais partie des artistes qui écoutent leur staff. Parce que moi, dans mon staff, il y a des gens qui sont plus âgés que moi, de 3 décennies. Il y a mes petits frères et puis il y a des grands frères, ou un peu. Tu écoutes et puis tu réagis. Donc, ne soyez pas étonné de certaines réactions, certaines fois où je réagis pas alors que vous m'attendiez, ou certaines fois où vous m'attendez pas que je réagis. Voilà, je suis de ceux-là qui écoutent et qui se font une idée avant de s'exprimer.
Donc, il y a deux catégories. Il y a d'autres artistes, eux, ils s'écoutent eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui sont les staff. C'est eux-mêmes qui sont les tout. Donc, tant que je serai, vous allez voir, vous allez toujours remarquer la différence. Voilà, ça s'est imposé. Beaucoup d'entre vous ont remarqué qu'il y a pas mal de personnes qui disent, Baby Philippe, il est gonflé, il est patati, patata, patati, patata. Bon, franchement, c'est leur problème. Vous savez, chacun a ses problèmes et chacun a ses occupations. Voilà. Tant que tu fais ton travail bien, tant que tu kiffes, tu prends plaisir à faire ce que tu fais, c'est ça le plus important. Le reste, on s'en fout. Voilà. Moi, ce que je sais de moi, c'est que j'ai existé avant Facebook. J'ai existé avant les chroniqueurs, avant les influenceurs, tout ça. Vous voyez un peu. Donc, les réseaux sociaux ne peuvent pas me transformer. C'est moi plutôt qui transforme. Avec moi, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Comment je vais dire? Avec moi, il y a des règles. Il n'y a pas de. C'est pas le monde à l'envers. Ou un peu. C'est moi qui influence mon monde. C'est pas mon monde qui m'influence. Vous comprenez un peu. Bref. En gros, c'était mon petit message de ce soir. J'ai pas très grand chose à dire, mais il y a un truc qu'il faut retenir dans la vie. Voilà. Faut retenir ça. Prenez vos stylos. C'est juste une phrase que je vais dire. Que j'avais dit dans le temps. Ceux qui me suivent ont déjà entendu ça une à deux fois. Retenez dans la vie que les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Tu sais, ce que tu fais aujourd'hui, ça te rattrape demain. Vous comprenez? Donc faites attention à vos choix. Voilà. Faites attention à vos choix. Les faits sont têtus. Je l'ai dit. Les faits sont têtus. Ne vous laissez pas influencer par votre monde. Influencez plutôt votre monde. Voilà. C'est vous qui devez influencer votre monde. Ne cherchez pas à être bon, surtout aux yeux des gens. Hein. Parce que vous pouvez être dans votre travail, servir tout le monde. Vous voyez un peu. Il y a des gens qui sont en difficulté, vous leur montrez. Sont en difficulté, ils viennent demander toujours. Pourtant, ils les ont embauchés aussi. Comme vous voulez montrer, vous êtes bon. On sourit à vous. Mais pourquoi c'est vous qui leur montrez ça là? Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent faire pour vous nuire. Donc ne croyez jamais que vous êtes aimé. Et puis surtout, hein? Faut se laver les mains. Vous voyez? Ça là. Ça t'évite. Moi, comme ça, je suis un gars. Je me rongeais beaucoup les ongles. Donc, il faut se laver les mains. Vous voyez un peu. C'est l'une des précautions pour éviter le corona. Guérena guiris. Vous voyez un peu le système. Il faut vraiment se laver les mains, surtout des mauvaises histoires qui salissent les gens. Voilà. On le traque, man. Il n'y a pas trop prendre votre temps. Mais deux temps là, il y a un hors-série qui risque de sortir. Mais retenez, marquez. Baby Philippe vous rappelle que les faits sont têtus. Fouillez sur toutes les pages, sur YouTube, vous allez voir où il dit ça. Et vous allez comprendre que ce n'est pas ma faute. Je ne suis pas prophète, mais je sens de faire certaines choses. Vous voyez un peu. Je sens de faire certaines choses. Et après, tu as l'impression que c'est après qu'on découvre pourquoi est-ce qu'il avait fait certaines choses. Vous voyez un peu. Soyons vrais. Ne nous mentons pas, ne mentons pas. C'est ce que nous ne sommes pas. Voilà. On est ensemble, famille. Y a-t-il des questions? Dangerous. Non, c'est la famille.
Les faits sont têtus. Tu ne t'es pas lavé la main, tu laisses les gens te parler dans le nez. Bon, les gars, moi, j'ai fait mes achats. Hein. Mais n'oubliez pas, hein, ce n'est pas à cause du coronavirus que vous n'avez pas vous brosser les dents. Voilà. Et achetez les dentifrices, c'est très important. Brossez-vous. Brossez-vous. C'est pas pour rien que vous vous êtes confiné que non, tout est propre chez vous. Non, la bouche, c'est la partie la plus sale. Vous comprenez pourquoi il y a beaucoup qui ne se contrôlent pas quand ils sont sur Internet parce qu'ils ne se brossent pas. Donc, il faut se brosser les dents. C'est l'une des précautions aussi. Donc, allez-y. Si vous avez oublié d'acheter des dentifrices, un autre système. Yannick Aja, toi, tu es spécial. On a notre way là, on doit gérer. Hein. En profitant en même temps pour faire quelques images du clip de One Way, Zozo, Zozo, Zozo. Les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits. On sera 49. Les gars, c'est pas du jeu. Hein. Je vous dis. C'est pas du jeu. On n'est pas obligé de sortir. C'est vrai que le mouvement a pris un coup. Ça serait un peu chaud. Mais Dieu va faire. L'esprit va faire. Big up.